Hugues, quelle est ton analyse du match ? On s'attendait évidemment à un match difficile, mais finalement dans le match, il y a eu match. Il y a eu match. Après, je pense que le temps a fait qu'ils ont dû resserrer un petit peu l'attaque et jouer beaucoup plus serré. Maintenant, après, c'était quand même beaucoup plus notre jeu. On a pu leur rentrer un peu dedans. On s'y attendait aussi. Ils allaient nous chercher. Je pense que les gabarits étaient moins imposants que contre l'Espagne. Donc on a pu leur répondre comme il fallait. Maintenant, ils savent bien jouer aussi aux extérieurs. On n'a pas réussi à suffisamment les garder sur la ligne et pouvoir à chaque fois les confronter. Et ils ont su jouer quelques fois dans notre dos qui ont amené jusqu'à l'essai. Donc voilà, malheureusement, il faut encore qu'on travaille là-dessus, qu'on reste vraiment bien tous ensemble sur la ligne, qu'on communique. Et je pense qu'on pourra aller chercher des victoires en tout cas intéressantes ou des matchs bien plus intéressants. Et où se fait la différence encore avec ce genre d'équipe ? Est-ce que c'est au niveau physique, technique, tactique ? La différence, je pense que c'est ni physique ni tactique. C'est surtout au niveau détail. C'est des petits détails. À chaque fois, il nous manque 1% par-ci, 1% par-là. Et au final, dans l'ensemble du match, ça fait 20%. Et c'est pour ça qu'on prend 38-13. Quoi. Donc c'est gommer tous ces petits détails, tous ces petits pourcents qu'on perd par-ci, par-là. On, de temps en temps, on a des grosses possessions de balles où on peut aller faire quelque chose et on se prend des contres à l'essai. Donc ça, il faut gommer et aller chercher les points là où il faut. Et moralement, il y a les défaites qui s'enchaînent, même si on pouvait s'y attendre. Comment est-ce que vous gérez ça dans le groupe ? Moralement, on garde la tête. Il faut garder la tête haute. Il faut continuer. Il faut surtout pas lâcher, en fait. Si on perd le moral, là, c'est le début de la fin. Donc il faut qu'on continue et qu'on lève la tête à chaque fois. C'est que comme ça qu'on va aller chercher la victoire. Et malgré les chiffres, l'expérience est quand même positive ? L'expérience est positive, on joue quand même des niveaux qui sont bien plus hauts que le championnat de division 1 belge. Donc quand on rentre chacun dans notre club à chaque fois, on ramène quelque chose, on a de l'expérience en plus, et ça c'est intéressant à jouer.